Ce site, il a été voulu pour mettre en avant l'écosystème, pour mettre en avant la nature, un statut pédagogique, accueillir un large public. J'ai tendance à dire qu'on peut y venir entre 0 et 110, 120 ans. C'est accessible pour tous, on peut y faire tout ce qu'on veut. On est dans un cadre magnifique, des infrastructures également qui sont là pour accueillir le public et une équipe d'animation qui fait tout son possible pour que tout se passe le mieux possible. Alors les nouvelles animations que l'on propose sur le site de Vitrozet Échappée Nature, cette année nous avons des VTT. L'objectif c'est de proposer des animations pour les scolaires notamment, donc pour le savoir rouler qui est à l'éducation nationale et pouvoir répondre à une demande au niveau des centres de loisirs et centres d'accueil. On propose aussi deux activités, on a le goupil de Vitrozet. Le renard, un animal méconnu et donc l'objectif c'est pour les enfants c'est de connaître la morphologie du renard, ses traces et indices. Son régime alimentaire et aussi on va conter une petite histoire sur le renard pour emmener l'enfant dans un imaginaire. Ils pourront voir le vrai renard et comme quoi on le voit principalement la nuit. C'est bon pour vous ? Oui. Allez, c'est parti. On propose toujours aussi le tir à l'arc, c'est vraiment une activité pour découvrir cette pratique qui nécessite concentration et justesse pour atteindre le centre de la cible. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! On propose toujours les fondamentaux, la visite guidée nature, on emmène les personnes sur le site, on leur présente un petit peu l'historique du site, le pourquoi du comment, la faune, la flore. Après pour les plus petits du coup ce sera l'exploration nature, suivant ce qu'il y a sur le site et la saison ce sera sur les plantes, les insectes, les petites bêtes. La course d'orientation c'est une course d'orientation sur les traces et indices des animaux et l'objectif c'est de déterminer les traces et indices des animaux qui peuvent être présents sur le site. On propose aussi des locations de trottinettes électriques typées tout terrain, la calèche, les ânes, la croisière, on propose différentes croisières avec ou sans escale d'1h15 à 3h. Vous pouvez faire une escale sur l'île Nouvelle ou l'île de Partiras avec ou sans déjeuner. On revient sur une fréquentation à peu près égale à celle de 2018-2019. Les activités reprennent, même si elles ne se sont pas totalement arrêtées. Les croisières refont le plein. Avec la restauration locale, c'est un plus pour ce site. On se renouvelle de façon perpétuelle. On invente toujours des nouvelles activités. L'avis que l'on a principalement de nos visiteurs, eh bien, c'est vraiment... En premier lieu, l'émerveillement. C'est vrai que quand on arrive sur le site de Vitrozet, en bord des sœurs de la Gironde, avec les étangs, les oiseaux, c'est l'émerveillement, la découverte, la tranquillité. Les personnes repartent généralement satisfaites justement de cette expérience sur le site de Vitrozet. Ça vous a plu ? Ouais ! Je trouve ça les animations super sympas pour les enfants, au niveau du tir à l'arc, au niveau aussi de la course d'orientation. Et donc tous les enfants ont l'air super heureux, donc tout va bien. On a toujours des idées pour trouver de nouvelles activités, pour mettre en valeur encore plus la faune, la flore et tout l'écosystème. On va avoir sur les prochaines années un gros travail qui va être réalisé sur les étangs de Vitrozet qui vont être purgés, curés et on travaille sur une autre façon de les utiliser. Donc on est aussi sur un flux migratoire important, on travaille sur toutes les espèces qui peuvent venir nous voir et on n'a qu'une envie, c'est les faire découvrir à tout le monde. Ce site, c'est un bijou. C'est un bijou écologique, économique, qu'il faut conserver et mettre en valeur. C'est une vitrine, c'est effectivement beaucoup de notoriété pour le beau territoire de la Haute-Saintonge. Sans la communauté de communes de Haute-Saintonge, effectivement, ce site ne pourrait pas être ce qu'il est. C'est une photo, c'est une image, c'est un havre de paix, c'est la partie naturelle. Donc Échappée Nature, anciennement Pôle Nature. On est vraiment dans un endroit où on vient et on revient. On a hâte de revenir même quand on part.